Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Cette fois-ci, pas de pêche. On se rend au plus grand aquarium d'Europe, Nausicaa, forcément dans ma ville. Allez, je vous emmène avec moi, c'est parti. Bon les amis, nous voyons plonger en haute mer à Nausicaa. Là, il y a un plongeur. Bon les amis, nous sommes sur un bassin le plus grand d'Europe apparemment. Ce qui fait la réputation de Nausicaa maintenant. Un bassin de 10 000 mètres cubes avec ses divers poissons et sa raimanta. Comme vous pouvez voir, je sais pas si vous m'entendez bien, mais avec le monde qu'il y a. Et avec le masque, c'est pas évident. Voilà. Un bassin d'une hauteur de 8 mètres. Avec différentes espèces. Des requins, des règles, des mantas, des guitares. Et divers bancs de poissons. Macro espagnol, chinchard, carangue royale. Allez, on continue la visite, les amis. Dans un bassin où il y a deux mérous lancés au lait apparemment. Avec divers poissons tropicaux. Et des murènes. Des murènes les amis comme celle-ci. Regardez la taille du mérou. Il y en a deux dans ce bassin, il y en a un qui est là-bas dans le coin, je ne sais pas si on le verra. Ah, celui-là est énorme. Ah, regardez. Adiós.
Les amis, on est devant la grande faille. Pratiquement entre 6 et 8 mètres de haut. Là où on a la vue sur le grand bassin. On a ces petits poissons qui sont rigolos. Hop. On continue notre visite, les amis. Dans ton pays, parce qu'il y a un peu des escaliers partout, je sais pas si vous voyez bien. Ouais, j'ai vu là, c'est là. Allez. Donc ça là, c'est la partie la plus récente de Nausicaa. Nous allons entrer dans le... sous l'océan. Une magnifique raie aigle qui est ici, les amis. Qui est collée à la paroi, je crois que vous voyez là. On a une partie du grand bassin. Et là voici le grand bassin, les amis. Donc c'est le même bassin qu'au tout début, hein. En fait, le parcours voyage en haute mer, on fait tout le tour du bassin. Espagnol, les amis. Magnifique. Juste magnifique. Petite raie aigle. Allez, mon soeur, amis. Regardez la Raimonto qui arrive. Elle est majestueuse. Regardez l'envergure, les amis. Magnifique. Suivi d'une raie guitare. Raie guitare. Raie aigle, les amis. Et une autre raie. Oh, je me rappelle plus de son nom, les amis, de celle-là. Deuxième, mes amis. Magnifique. Magnifique, les amis.
Allez, on continue. On est toujours sur le même bassin, hein, comme je vous dis. Avec une belle murène qui est ici. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Là-bas, vous voyez une raie guitare. Oui, il a été attaqué, lui. Ouais. Ah oui, une sacrée blessure. Dans le monde des abysses. Là où vous avez différents écrans interactifs. Voilà les amis, le clou du spectacle sur le grand aquarium. On va être face à une baie vitrée énorme qui fait à peu près 6 mètres de haut. Épaisseur, ça doit être une épaisseur de 38 cm. Elle est magnifique les amis. Les amis, c'est différents requins, c'est différents poissons, différentes raies, les mantes diables sont en haut, une raie aigle est en bas. Je me trompe peut-être sur le nom de cette raie, je sais plus. Donc je regarde les amis, et regardez, là-bas en haut, on voit la raie monte arriver. Pour repartir, je pense. Ouais, non, elle est repartie. C'est vrai. Guitare les amis. Une deuxième là-bas au fond. On va quand même attendre la remonte les amis. Si elle décide d'arriver quand même. Et après on prendra un peu de hauteur parce que oui, devant cette baie vitrée, on peut s'asseoir et profiter de ces instants magiques. Comme vous voyez dans ce grand bassin, on est vraiment plongé en haute mer. Nausicaa a fait avec sûrement ses ingénieurs et ses architectes, comme j'ai pu voir dans le reportage. Thank you.
Comme quoi on est vraiment plongé en haute mer, c'est-à-dire que même si on essaye de regarder l'autre bout du bassin, on ne voit rien en fait. Tout est plongé dans l'obscurité. Et ça reproduit vraiment ce voyage en haute mer. Je sais pas où la Raymonta est. Mais à mon avis, il y a un nourrissage, elle est là-bas au bout. Donc, pour l'instant, on ne la verra pas. Je vous reprends après, les amis. À tout de suite. Voilà, les amis, le grand bassin. La grande baie vitrée. La Raymonta, que je sais pas où aller. Elle est là derrière. Donc, comme vous voyez, les amis, on peut s'asseoir tranquillement ici et profiter de ce spectacle magnifique. Allez, on continue la visite, les amis. Ce qui est bien à Nausicaa, c'est que vous avez à chaque fois des panneaux qui vous indiquent les espèces qu'il y a. Si c'est dangereux, la taille maximum, la famille, et puis le lieu où sont présents généralement ces poissons. Je voulais vous dire aussi, c'est pas du tout un sponsor avec Nausicaa. J'ai juste demandé l'autorisation de filmer. Je les ai appris hier. Et j'ai eu cette autorisation. On a bien parlé avec les personnels de Nausicaa, qui sont très sympas. Donc voilà, je voulais les remercier. Et puis, on continue la visite, les amis. On a fini le voyage en haute mer. Donc encore un point de vue de ce magnifique bassin que je répète de 10 000 mètres cubes, ce qui fait la réputation de Nausicaa. Et là on remonte par les ascenseurs, on monte en surface, les amis. Nous sommes au-dessus du grand bassin. Avec la passerelle de nourrissage qui est juste là. Voilà. Chut.
Donc là, on voit un peu vidéo du chantier, les amis, de cette partie donc on vient de voir, voyage en haute mer. Et normalement, il y a encore une autre partie qui doit être faite. Donc vous avez un petit plan de Nausicaa. Là, on est rentré par ici. On était dans cette partie-là, les amis, là, juste ici. Et là, on va aller voir cette partie-là. Cette partie-là, on ne peut pas la voir, les amis, parce que ça va être là sûrement l'extension de Nausicaa, qui est prévue pour l'instant, je ne sais pas à quelle date. Mais voilà ce que ça donne, Nausicaa, les amis, pour ceux qui ne sont plus en train de voir. Une vidéo du chantier. Allez, voilà. Vous voyez très bien que le bassin voyage en haute mer n'était toujours pas là. Il était en construction. On se retrouve pour la deuxième partie, les amis. Allez, à tout de suite. À Nausicaa, vous pouvez vous restaurer comme là. Pour la pause café, les plats. Le Calypso. Et là, nous allons aller dedans. Des rivages et des hommes, les amis. C'est la première partie qui avait été construite pour Nausicaa. Qui a bien changé, hein. Forcément, il y a eu une petite métamorphose par rapport au tout début. Donc, je vous retrouve à tout de suite, les amis. Voilà l'entrée dans la deuxième partie, les amis. L'océan mondial. On voit là-bas une figurine, les amis, et différents coraux. Pourquoi il y a un poisson zébré là? Là, il y a un truc à poids. Une murène. La taille du truc. Les terres insulaires jouent souvent le rôle de refuge, abritant des espèces qui ont disparu du continent. Il est doré. Est-ce qu'ils sont fragiles? Alors, ces poissons-là sont assez acides. Thank you.
encore chez mes amis. Y'a rien à voir. Alors dedans il y a des... un lézard à col raccourci. Ah oui, il est juste là. Il est juste là mon doigt les amis, je sais pas si vous voyez. Parti les amis. Sur un bassin encore avec des coraux. Il y a des poissons apparemment qui sont envahisseurs. Vous voyez bien. Ils sont assez magnifiques. Il faudrait que j'aille retrouver le nom, mais je ne sais pas. Là, c'est des poissons scorpions. Donc ça, les amis, c'est des poissons scorpions. On vient de voir. Bon, j'ai mes amis par ici. Ouais, on arrive sur des tortues à nez de cochon, les amis. Non. Là, on est un peu sur ouais, Neonosico. Ah, c'est pas des roussettes, mais je sais plus comment ça s'appelle. Il y en a une grosse qui est là, juste là, les amis. Ah, ce sont des requins chabots osselets. Oh, il est juste là. Vous voyez, à Nausicaa, vous avez différents petits aquariums qui retracent un peu toutes les espèces. Forcément, il n'y a pas vraiment toutes les espèces. Mais on s'y approche quand même, les amis. Allez, à tout de suite. Voilà les amis, là on se ramène sur une pyramide de cristal où il y a des maigres communs et des cerniers communs. Donc là vous voyez des maigres. On va aller juste là aussi. Et les cerniers communs, vous voyez, c'est ceux qui sont là-haut. Ou là-haut au fond. On va essayer d'en voir un de plus près. C'est incroyable où il y a des hippocampes, les amis. Regardez. Des animaux. Oh, j'ai regardé.
va continuer sur des dorades royales, les amis. Regardez-moi ça. Là, une belle dorade. Là aussi. Là aussi. Ouais, ça met devant ça. On a même trois. Il y a des autres poissons aussi, Emma. Je me rappelle plus, c'est quoi ces poissons-là? C'est des sars, ouais. Les sars, ils ont un point noir. C'est là-bas, là. Là-bas, avec la queue noire. Ouais, bah, on dirait les mêmes. Ouais, il y a tout le monde dans le dorade royal. Ouais, dorade royal, ça. Ça, c'est ça, les sars, on voit. Là, là. Ouais, bah, à mon avis, c'est des sars aussi. Les sars, c'est ça. Ouais, bah, même les dorades. Bah, après, t'en as en Bretagne aussi, même pas ici, mais c'est très rare. Quand tu viens visite les amis. Explicatif, on va dire. Ouais, là, sur le côté. Ah, je te jure. Bah alors ? T'as vu la marche ? T'as fait trop mal. T'as perdu le truc ? Il n'y a pas de panneau. Elle fait combien de temps ta vidéo? Coucou. On continue la visite les amis sur les lieux jaunes et une morue et ici super belle. C'est une morue. Ah oui, ouais. Non, regarde, lieu jaune, morue, regarde, c'est pas la même. Ah oui, ouais. Et normalement t'as un loup dedans. Ah bah regarde, on le voit là-bas. Alors, vous ne voyez pas les amis, mais vous avez ce qu'on appelle un loup. Donc c'est pas un barf comme vous appelez dans le sud. C'est juste un poisson si j'arrive à vous faire voir un peu plus proche. Ah, il n'y en a pas d'autres les amis. Il y en a un là, je crois, mais...
Il est dehors. Au pire, j'essaie de vous mettre une photo en même temps sur la vidéo. C'est juste magnifique. On dirait qu'il est mort. Non. Vous avez aussi tous des petits aquariums avec différentes espèces. C'est quoi ça? Petit turbo juste les amis. On voit un peu respirer juste là. Ça c'est un bulot. On va continuer là-bas. Le bas, du bar, du taco les amis. Encore des lieux et du bar. Les amis, je filme un peu avec mon téléphone parce que bah, les caméras, j'ai plus de batterie pratiquement. Là, vous avez un bassin avec requin léopard. On voit juste là. Normalement, il y a du mulet aussi. Il y a du mulet là-bas. Il y avait une émissole là, si je me trompe pas. C'est le petit requin. Ah oui, le petit requin. Là. Ah oui, oui. Allez, on continue la visite, les amis. Bon, désolé pour la qualité de l'image, mais là, c'est mon téléphone. On fait avec les moyens du bord. Oh, excuse. À tout de suite, les amis.
Là, nous allons arriver sur les requins. Donc quand on voit ce panneau là, je pense que c'est pas de la plaisanterie. Il y a du requin et d'autres choses aussi avec. D'autres poissons. Regarde la tortue là-bas. Eh ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait le petit ? Pas trop de luminosité là les amis. On voit un peu les requins, bon de poisson. Continue la visite les amis. J'aime bien ce bassin là. Hey, il est là, Mario. Oui, c'est bail. Un joli petit bassin, les amis. Je vous laisse un peu apprécier les amis. Continue la visite tout doucement les amis. Bon, je pense qu'on a bientôt fini si je me trompe plus. Oh, poisson néanosicole les amis, je sais pas si on voit bien. On arrive au tunnel des Lions de Mer, les amis. Oh, bah ils sont là-bas. Ah, ils sont là de l'autre côté. Ils sont à l'autre bout du tunnel en fait.
Il faut que je suis venu avec ça des talons. Au début, je suis venu avec des talons, j'ai pas que ça place. Ah, ça fait peur. Ils sont là-bas, ils sont de l'autre côté, gars. Ils sont là. Il y en a un là. Où? Ouais, il y en a un qui arrive. Il y en a un qui arrive. Ah, ils sont là-bas aussi. Regarde, là, là, là. Il est parti en dessous. Tu fais. Ah, il y a quelqu'un qui. Ah oui, il y a quelqu'un qui fait des photos. Il me semble bien. Qu'est-ce que tu prends, Mia? Bah, j'attends. Comment ça se fait qu'ils sont tous là-bas? Parce qu'il y a une dame qui filme avec une balle pour qu'il y ait tous les otaries. Ah ouais, d'accord. Ah ouais. Oh, le délire. Linda, ce serait bien qu'on se mette avec Linda, je sais pas où elle est. Je crois qu'elle a fait Linda avec Hugo. Donc là les amis, vous avez le bassin des Lions de Mer qu'on vient de voir juste en dessous au tunnel. Et là-haut, bah, c'est le dessus avec vue sur la plage plus loin là-bas. On va les voir remonter. Normalement, la surface. Elles sont là. Hop. Les amis, avec les gradins bien sûr. On va affronter la tempête. Donc là les amis, nous avons un bassin avec des chambeaux, des flés, des raies.
on va passer là. Allez, à tout de suite les amis. Voilà pour cette deuxième partie les amis, fin de cette deuxième partie, il reste plus que les, si je me trompe pas, les manchots à aller voir, et puis ça sera la fin de notre visite les amis. Thank you.
Donc là, comme vous avez pu voir, les amis, on a des raies osselées d'eau douce. Mine de rien, elles sont magnifiques. Ce sont des méduses orties de mer du Japon. Ce sont des manchots du Cap, les amis. Je sais pas si vous m'entendez très bien, mais bon. Voilà, les amis. Là, on a fini la visite. Bon, voilà, les amis. J'espère que cette petite visite, ou plutôt grosse visite à Nausicaa, vous a plu. Donc, ça change un petit peu de la pêche. Je vous fais visiter le plus grand aquarium d'Europe grâce à son bassin de 10 000 m3. En espérant que cette vidéo vous a plu, les amis. Et n'hésitez pas, comme à votre habitude, à aimer, commenter, partager cette vidéo. Puis n'oubliez pas la cloche pour vous abonner surtout et puis être averti des prochaines vidéos futures. Sur ce, les amis, je vous souhaite une bonne semaine. Allez, à la prochaine, les amis. Ciao.